Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et chaque jour de mieux en mieux. En ce jour de Saint-Valentin, je célèbre ma faculté à m'aimer et à aimer les autres. Ici, je vais m'adresser principalement aux femmes célibataires pour le moment. Et bien sûr, les hommes célibataires pour le moment sont également les bienvenus. Donc, bye bye, nos schtroumpfs, grognons ou grincheux. Piochons parmi cette liste d'idées, qui évidemment est non exhaustive. Il y en a encore tout plein d'autres. Que vous soyez toute seule ou alors entre copines, vivons cette journée dans la joie. Alors voilà la liste d'idées. S'écrire, je lis sur mon petit papier, hein, s'écrire une déclaration d'amour. Se composer un petit poème enflammé ou délicat. Dire un petit mot sympa ou sourire à chaque personne que je croise aujourd'hui. Créer un tableau de visualisation plein d'amour. Voir ou revoir un très bon film d'amour. Allumer des petits lampions chez soi en forme de cœur. S'acheter deux billets gratte-gratte. S'offrir un petit cadeau et l'emballer avec soin. Passer une journée de loisirs créatifs, que ce soit chez soi ou à l'extérieur. S'offrir un massage. Déposer une goutte d'un parfum délicieux sur ses poignets. S'habiller en portant ses plus beaux sous-vêtements ou sa tenue préférée, juste pour aller voir un verre ou un chocolat chaud. S'offrir une rose ou sa fleur préférée. Se détendre une journée au spa. S'offrir une manicure ou un soin des mains. Se faire couler un bon bain chaud avec des huiles parfumées ou relaxantes. Mettre sa musique préférée, chanter et danser. Faire la grasse matinée et prendre le petit déjeuner au lit. Passer une journée à lire son roman préféré ou en découvrir un nouveau. Aller au resto à midi. Sortir manger une frite et parler à la personne juste à côté qui est également seule. Se concocter un délicieux apéro dînatoire. Décorer sa table avec des petits cœurs. Et pourquoi ne pas se faire livrer à manger? S'offrir une nuitée dans un douillet Airbnb. Passer une journée à la mer, ou en Ardennes, ou en ville. Prendre le train jusqu'à Paris ou à Londres. Louer un petit bateau sur la Meuse ou ailleurs. S'offrir une mini-croisière sur la Meuse ou ailleurs. Sortir balader avec son chien ou faire une balade avec son cheval. Voilà pour ce live numéro 65. Amusez-vous, profitez de ces moments dans la joie. Excellent mardi pour cette fête de l'amour. À demain !